Les amis, il faut que je vous raconte. Je reviens d'IKEA. Pourquoi je suis allée à IKEA ? Je suis allée à IKEA parce que, you know, tu vois, passion brocante, chinerie et tout, type anti, je n'ai plus de place chez moi. Vraiment, je n'ai plus de place. Il me fallait absolument un vaisselier et un arbre. Oui, j'avais envie d'un arbre chez moi, donc voilà, c'est chose faite, merci. Pour ranger toutes mes théières, mes trucs d'igouins, mes pichets, mes assiettes en trop, parce que franchement, c'était trop là, mes meubles, ils étaient encombrés, leur mémé la chèvre. Du coup, IKEA. Pourquoi ? Quel a été le déclic de cet achat ? Vous voulez que je vous montre ? Attention, attention. Ma théière éléphant en bleu lagon. Tu veux connaître son histoire? Parce que non, je ne l'ai pas chinée en brocante, ni à bric-à-brac, ni à Emmaüs. Non. J'ai été contactée. Oh, je fais attention de ne pas la péter parce que là, comment te dire. J'ai été contactée par Laetitia sur Instagram. Qui est Laetitia? Tu veux que je te raconte? Il y a 2 ou 3 ans en arrière. J'avais demandé sur Instagram et sur Facebook. En fait, j'avais trouvé un petit chat pendant les vacances et j'avais demandé donc voilà s'il y avait une famille pour l'accueillir et tout. Voilà une petite tâche. J'ai une tâche, ça me désole. Et Laetitia avait répondu que ce petit chat l'intéressait. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a été en contact et elle m'a envoyé une super jolie création qu'il faut que je sorte des cartons. Bah IKEA quoi. Donc je vais mettre ce joli vaisselier ici. Je sais pas si je vais le monter avec vous. J'ai déjà fait une vidéo. Il me semble que j'avais fait ça un 31 décembre. J'avais monté celle-ci de Billy toute seule. Donc là bah, c'est la même sauf qu'elle est couleur chêne et elle a 2 portes. Donc tu verras, hein, je vais te le montrer de toute façon dans cette vidéo. Mais je sais pas si je vais filmer en montant. Parce que de une, c'est un méga kiff pour moi. Et il faut que je sois toute seule, je mets ma petite musique. Je viens de découvrir La Yegro. C'est une meuf, un groupe espagnol, j'adore. Viene de mi, une super chanson, je l'aime trop. Bon bref, je vais mettre ma petite musique et je vais monter mon petit meuble. Et puis après, bah, tu vois, j'ai déjà sorti des trucs à mettre dedans. Et voilà, je suis trop contente. C'est y part et puis hasta pronto. Et voilà la résultance. Donc j'ai commencé à la monter à midi, il est 13h41. Et voilà, donc elle sera pas là bien sûr, elle sera dans l'entrée. Et on va placer toutes les petites babioles dedans. Je suis hyper contente parce qu'elle sent l'huile essentielle de framboise un peu. J'adore l'odeur qu'elle a. Donc voilà. Donc c'est la même que la Billy blanche à côté. Sauf que celle-ci, bah, elle a des portes. Voilà. Bah, c'est pas que j'ai super hâte d'installer mes bricoles, mais un peu quand même. Donc on y va. Voilà ce que ça donne une fois montée. Je vous montrerai ce que j'ai mis dedans en détail, mais j'en profite pour vous montrer ma collection de boîtes. Donc Laetitia qui m'a donné la théière éléphant, elle m'a donné celle-ci aussi, qui est trop mignonne. Donc voilà, donc vous voyez que là dans ma cuisine, maintenant ça fait tout vide. Il va falloir que je remédie à ça. Donc voilà ce que j'ai mis. Donc en haut, voilà, j'ai mis mon hippocampe avec ma bougie. Ma petite lampe à fleurs de sel. Là, mes lentilles corail, enfin les beaux coups, lentilles corail, du riz, du cacao, des nouilles chinoises, des pâtes, du riz, des spéculoos et du sucre avec mon plat à pizza. Ici, mon plat à tarte d'igouin, une théière que j'avais eue à bric-à-brac magnifique, ma petite théière d'igouin, enfin je dis théière, cafetière, j'en sais rien. Mais voilà, ça, d'igouin, là c'est d'igouin, là c'est éléphant, cœur sur toi. Ici c'est un petit service à olives et je suppose c'est les pics pour les olives qu'on mettait dedans, que j'ai eu à Emmaüs, et je le trouve canon, un peu dans les bleus comme ça, et moucheté, j'aime trop. Là en dessous j'ai mis mes tasses préférées, parce que j'en ai encore en haut là.
mais celle-là, pour la grande majorité, c'est des tasses que j'ai chinées. Donc, mes deux dernières que j'ai trouvées, c'est celle-ci, donc la Myosotis, et celle-ci des Moumines. Et moi, dans les Moumines, ma préférée, c'est elle. Je l'aimais trop avec sa coiffure, là, avec sa couette en l'air, là, elle était trop mignonne. Je vais la mettre comme ça, tiens. Celle-là, je ne me rappelle plus où je l'avais. Bric-à-brac, je crois. Voilà, celle-ci, c'est ma petite sœur qui me l'avait offerte. Celle-ci, bric-à-brac. Celle-ci, elle vient d'IKEA, mais je l'avais chinée à bric-à-brac. Et celle-ci, je crois que je l'avais achetée à Emma. Ah non, Monop. Voilà, là, j'ai mis toutes mes infus. C'est du rooibos qu'on m'avait offert. Peggy, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. J'aime bien le Ricola, là, mais c'est hyper sucré. Du coup, bof. Le plus que je bois, c'est celui-là, là, le Vervainement Bio. Infusion exotique, il est super bon. Et les détox Yogi Tea, là, trop bon. Voilà, ici j'ai mis toutes mes petites serviettes de table, les petits tabliers et tout. Et les assiettes, mes assiettes préférées. Donc voilà. J'ai des bols. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est assiette creuse. Tout ça que j'ai chiné, hein, bien sûr. Ça, c'est une petite assiette. Donc, ça, c'est une digoune. Ben ouais, je suis pas une mytho. Des petites assiettes à dessert. Et après, ben, c'est des assiettes, quoi. Ben, c'est toutes mes prefs. Si tu veux voir en détail, ben, tu regardes mes vidéos bric-à-brac et celle-là aussi. Dans mes vidéos bric-à-brac, Emmaüs et tout, normalement t'as tout. Mais là, pour la majorité, c'était à bric-à-brac. Et en dessous, j'ai mis... Oui, je me suis plantée, j'ai mis la planche du mauvais côté, là. C'est pas grave. Mes deux pichets d'Igouin. Celui-là, il est magnifique. De toutes mes pièces d'Igouin que j'ai chinées, cette pièce-là, c'est la première. Donc, mon pichet d'Igouin, un autre pichet d'Igouin. Et là, un truc pour le café, mais j'ai rien mis dedans. Voilà, je suis trop contente. Voilà la vue d'ensemble. Après, je sais pas si je le laisse ici ou si je le centre plus, j'en sais rien. On va voir. Et je t'ai pas montré mon arbre. J'aimais bien l'idée d'avoir un arbre dans sa maison. Il faut juste que je trouve un cache-pot là. Je trouve un cache-pot qui me plaît. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite infus. Et je crois que mon mec... va se faire un café. On a reçu, je t'avais dit avec Octoly que j'allais recevoir cette cafetière, donc l'or barista, et on va la tester ensemble. Je ne l'ai pas ouverte encore, donc on va regarder ça ensemble. Je range un petit peu parce que là c'est le foutoir, hein, du Vinted, cafetière à ouvrir. Là c'est l'apocalypse. Est-ce que je viens de me réveiller? Non, en fait, ça fait super longtemps que je suis réveillée, mais j'ai fait du montage, j'ai fait 2-3 trucs. Et j'émerge tout juste pour ouvrir avec toi ce qui permettrait à beaucoup de gens d'émerger, c'est-à-dire se faire un petit café. Étant allergique, ce café sera pour mon homme, mais je vais te montrer quand même comment... se réveiller de bon matin. Et à l'intérieur, vous avez ces petites dosettes. On va l'ouvrir. Dans ce pack, vous avez ces petites dosettes L'Or Barista Testing Box. Et je trouve ça cool parce que du coup, ça te permet de tester le format que tu aimes, les cafés que tu aimes. Là, vous avez de quoi tester. Ristretto pour personne seule, je pense. Donc 25 ml. Et ici, tu as le double qui fait 50 ml. Donc, tu peux te faire soit une tasse de 50, soit deux de 25, soit une de 25 avec les petites. Là, maintenant que j'ai mon meuble, tu vois, j'ai de la place et je vais pouvoir mettre ma jolie cafetière. Donc, elle est comme ça, elle est en gris sidéral. Elle existe aussi en rouge bordeaux, je crois. Là, vous avez la réserve pour l'eau, je suppose. Je sais pas, hein, moi franchement j'improvise, donc on va voir de suite si c'est simple pour la mettre en route, parce que moi c'est la première fois que je touche un truc comme ça.
Enfin, il y en a une à l'école, mais ben, fatalement, je m'en sers pas. Virginie, redresse-toi un peu. J'ai un peu tendance à être avachie tout le temps. Donc voilà, là je suppose que c'est pour nettoyer. Hop. Ça se met comme ça. Ici, tu mets ta dosette. Trois boutons. Pour les ristretto, les petits, pour les XXL. Brancher la machine sur une prise murale mise à la terre. Machine peut être utilisée par des enfants âgés de 8 ans ou plus. J'ai une tasse pour un petit. Mais du coup, tu mets là et ça coule par les deux. Le petit, on va tester. Supremo, le ristretto, le splendente et le decaffeinato. Je vais prendre le decaffeinato. Le single, ouais voilà, faut le mettre au milieu. Et quand tu fais un double, enfin je t'explique, mais toi c'est un coup, tu connais par cœur ces trucs. Est-ce que t'enlèves ça là? Personnalizzazione. 19 barres de pression. Moi, ça me fait peur, ça, 19 barres de pression. Sérieux? En gros, tout le monde sait se servir d'une machine à café. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui presse ses jus d'orange à la main. Avant première utilisation, il faut prendre une tasse et mettre de l'eau là-dedans et faire couler juste l'eau. C'est ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas envie de s'empoisonner. Mets une magnifique tasse. Hop. Et là, il faut appuyer sur le grand. Il faut attendre 25 secondes. Heureusement qu'il y a le montage. Sinon... Ah. J'avoue, tu vois, je bois pas de café, mais j'aime trop ce bruit. Et là, ça pique. Et c'est très chaud. On a qui ont une petite opercule à enlever sur les XXL, mais pas sur toutes. Du coup, une tasse classique passe. Une tasse classique ne passe pas. Tu lèves. Tu mets ta capsule comme ça. Voilà. Tu clipses. Ta petite tasse au milieu, un expresso, les ristretto, c'est 25 ml, c'est minuscule, c'est méga méga serré ça, non? On va essayer en expresso. On a entendu le petit clac de la capsule. Oh, ça sent bon, j'aime bien l'odeur du café. Et le petit plus de mon mec, tu veux que je te montre ce que c'est? C'est du lait concentré au fond. Voilà, un petit noisette. Pour enlever toutes les capsules, donc c'est là-dedans. Et pour faire un détartrage de la machine, tu remplis le réservoir derrière et tu appuies deux fois sur les deux boutons de l'extrémisant. Et après, ça va couler, ça va enlever toutes les particules et résidus. Voilà, je suis très contente de cet objet magnifique. Elle est très très belle, elle est compacte, elle ne prend pas beaucoup de place. Et goûtons le ristretto decaffeinato. C'est bon. Il y a eu une époque où je buvais du café. Et en fait, c'est mes grossesses qui m'ont embrouillé toutes mes hormones. J'ai plus pu en boire du jour au lendemain, mais c'est trop bon. Le petit avec la noisette là, j'adore. Voilà, bon, mais écoutez, si vous voulez plus d'informations, tout est en barre d'informations. Merci.